Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, directeur scientifique du CERIUM, professeur de sciences politiques et animateur de l'émission cet automne. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. Moi, je crois qu'il ne faut pas se coucher. Je crois que l'esprit de la France, c'est ça, quoi. Il ne faut pas se coucher. C'est vrai que c'est une tragédie, ce qui est arrivé à Charlie, mais il ne faut pas céder, quoi, non ? Il ne faut pas céder. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Nous, fidèles de cette mosquée, pourquoi on paye pour l'erreur d'une personne ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'islam politique avec François Burga, directeur de recherche au CNRS. Nous avions invité François Burga avant le terrible assassinat de cet enseignant en France, Samuel Paty, pour parler de l'islam politique. Le sujet demeure d'actualité, même si évidemment les manifestations de violence n'en sont pas la seule expression. François Burga, bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Alors François, on vous décrit parfois comme islamologue, mais pour moi, vous êtes plutôt un politologue ou un politiste, comme on dit en France. Pourquoi y a-t-il une différence qui est significative à vos yeux ? D'abord parce que je ne peux pas me prévaloir du savoir islamologique, mais aussi, et peut-être davantage, parce que lorsqu'on dit islamologue, on dit c'est le monsieur qui étudie la religion des gens pour expliquer leur comportement en politique et en société. Et moi, je pense que c'est très, très souvent un biais plutôt qu'un raccourci. Alors justement, cantonné au terrain politique. Alors justement, l'islam politique, que l'on appelle aussi parfois l'islamisme, qu'est-ce que c'est ? Alors, on pourrait, mais on n'a pas le temps, mais partir à la quête de la vérité par l'analyse de la terminologie est une voie, à mon sens, sans issue. On va dire très très brièvement. L'islam politique, c'est une notion qui est à peu près acceptée en des termes rationnels par le petit noyau de la communauté scientifique, mais elle est bien sûr démonisée par une écrasante majorité regard occidental. Bon, on va dire que ça correspond à islamisme ou à intégrisme, puis on entend les bruits de mort. Et paradoxalement, il faut le dire également, elle est rejetée par la plupart de ceux qui sont désignés par cette appellation, qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ce mot politique que vous ajoutez à notre religion ?» Elle a par nature vocation à s'exprimer, à exister et à s'exprimer dans l'espace public et donc dans l'espace politique. Voilà. Est-ce que c'est une idéologie, alors, pour vous ? Non, alors après, oublions l'islam politique, oublions le débat terminologique, hein, parce qu'on pourrait faire la même chose sur l'islamisme. Il y a des islamistes qui aiment bien qu'on les appelle comme ça, d'autres qui le refusent, d'accord ? Mais on va dire, moi, je vais couper, hein, je sais qu'on a peu de temps, alors je vais à l'essentiel. L'islamisme, c'est dans les sociétés occidentales du moment, le musulman qu'on considère comme pas fréquentable. C'est le musulman qui est trop musulman. C'est le musulman qui a une attitude oppositionnelle corrélée à sa religion et qui est donc inacceptable de ce fait. Vous voyez, je vais à l'essentiel. Hein. Et ce qui me pose problème, c'est que ce mauvais musulman a été pendant longtemps identifié, et je faisais partie de ceux qui acceptaient cette identification, aux gens qui maniaient la violence, aux djihadistes, aux terroristes, même si j'ai toujours dit, attention, quand il y a de la violence, il faut arrêter le mec qui pose les bombes, mais il faut ensuite s'interroger sur la machine qui fabrique des gens qui pensent qu'il n'y a que les bombes pour s'exprimer. Mais disons, on pouvait condamner cette frange de la communauté musulmane ou des musulmans. Le problème, c'est que ce matin, un ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, et on en a deux comme ça, des anciens Premiers ministres et ministres de l'Intérieur, nous a demandé de dissoudre, a dit sa volonté de dissoudre le collectif contre l'islamophobie en France. C'est-à-dire que maintenant, l'islam politique, l'islamiste, ce n'est plus l'activiste maniant la violence, c'est la totalité de la composante des musulmans. Je dirais, je ne sais pas ce que vaut cette formule, mais maintenant, on confond Muslim Pride et puis terrorisme. Hein. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme nous amène à interdire, bon, j'emploie une autre formule qui a fait un peu le buzz, j'ai dit en France, le musulman qui n'est pas islamiste, c'est le musulman qui n'est plus musulman. Non, tous les autres, celui qui à 5 heures de l'après-midi, refuse de venir boire
une bière si on est dans le nord ou un pastis si on est dans le sud et qui a l'idée saugrenue d'aller faire la prière, il est maintenant considéré très, très. C'est pas une boutade. Hein, et celui qui fait les 5 fois les prières, c'est un indice faible de radicalisation. Voilà. Bon, on en est là et c'est contre cela, me semble-t-il, enfin, c'est de cela qu'il faut parler. Et éventuellement, si on part, si on sort du cercle du registre de l'analyse pour entrer dans celui de l'action politique citoyenne, c'est ce contre quoi il faut se mobiliser. Alors, je précise, puisque vous avez mentionné les propos du Premier ministre français ce matin, que l'émission est enregistrée le 20 octobre. Oui, bien sûr, pardon. Il n'y a aucun problème, mais avant de parler de la situation en France, j'aimerais m'assurer que nos éditeurs, nos auditrices comprennent bien. Donc, vous décrivez l'islam politique finalement comme un objet, comme l'objet d'un discours, mais pas nécessairement comme un programme politique. S'il y a un programme politique, comment le définiriez-vous, un programme politique en lien avec, par exemple, la religion musulmane? Existe-t-il pour vous? Alors, attention, il faut déjà... j'aime bien abolir les frontières, mais il y en a qu'il faut savoir respecter. L'islam politique dans une société de tradition chrétienne, c'est pas l'islam. Il ne peut pas avoir les mêmes ambitions que l'islam politique dans des sociétés de tradition musulmane. Hein. Donc, quand on franchit la Méditerranée, les ambitions de la référence religieuse à jouer son rôle sur la scène publique ne peuvent pas être les mêmes. D'accord ? Bon, après, je vais vous sortir ma plus ancienne formule. Elle n'est pas nouvelle, mais je n'en ai à tort ou à raison, je n'en ai jamais changé. Pour moi, l'islamisme, c'est la résurgence du lexique de la religion musulmane dans le champ politique. Et je dis très vite, tout de suite après, avec un lexique, on peut faire, et mes amis musulmans, des fois, n'aiment pas ce genre de propos. On peut faire ci et ça. On peut faire tout l'inverse et son contraire avec un même lexique. Il existe un seul lexique de la religion musulmane, religion qui a la vertu d'être l'expression de la culture endogène, du homemade, de la culture locale avant qu'elle ait été obérée par la trop bonne santé de la culture occidentale, par le vecteur colonial, puis par le vecteur impérial. Mais il n'existe pas un agir musulman. Avec un même lexique musulman, il y a des dizaines d'agir musulmans. Si on ne comprend pas ça, si on essentialise, si on croit qu'on peut expliquer le comportement politique d'un individu parce qu'il est de religion musulmane, on est à la dérive scientifique. Je dis bien scientifique, puisqu'encore une fois, je n'ai pas qu'il y ait de malentendu. Mon objectif n'est pas d'être gentil avec les musulmans. Mon objectif est d'être efficace dans l'analyse d'un problème qui torture notre société actuellement et qui est en train, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Si nous interdisons le collectif contre l'islamophobie en France, nous sortons de l'état de droit. La France sortira de l'état de droit. Et on est sur le point de le faire. Donc, voilà, on a terriblement besoin d'analyser le phénomène. Et toutes les portes de l'exégèse au sens occidental du terme semblent, les unes après les autres, se fermer dans mon cher pays. Un petit peu moins chez vous, je pense que le mal est moins grave. Mais nous sommes à l'avant-garde de cette dérive, me semble-t-il, en France, pour des raisons qu'on aura peut-être le temps d'évoquer. Alors justement, François Burgat, nous allons parler de votre cher pays, la France. Vous avez mentionné le rapport colonial. Est-ce que c'est la seule explication qui nous permet de comprendre l'islam politique en France et son traitement aujourd'hui? C'est à mes yeux la principale, mais ce n'est pas la seule. La première, historiquement, c'est le mode d'entrée des Français dans la modernité politique, c'est-à-dire l'itinéraire de notre révolution qui voulait que l'Église, instrument aux mains de l'absolutisme royal, soit abattue ou soit privée d'accès à l'espace public pour que l'on puisse entrer dans ce qui allait nous conduire très lentement à la démocratie, d'accord? Alors ça, c'est une belle explication, il faut la connaître, mais à mon sens, elle n'est plus déterminante. Celle qui est déterminante, vous l'avez mentionné, c'est le fait colonial, c'est la proximité historique et géographique avec cet épisode extrêmement marquant de notre histoire contemporaine, et le fait que cet épisode colonial a été en quelque sorte prorogé, prolongé, mais surtout inversé. Avant, nous, on construisait des cathédrales sur les collines d'Alger, et maintenant, ces musulmans osent s'installer dans nos caves pour prier. Donc, cette détériorisation de notre relation à l'islam qui s'est exacerbée au-delà de toute limite. Et je préfère donc parler d'un bon vieux racisme colonial plutôt que d'un paramètre historique complexe lié aux modalités de notre accès à la révolution politique en 1789.
Alors, si on fait un peu de comparaison et qu'on prend, par exemple, le pays voisin de la France, l'Allemagne, où il n'y a pas nécessairement le même rapport colonial, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'islam politique, cette question s'exprime de manière nettement différente à ce qu'on observe en France? Oui, et ça me permet d'ajouter un élément que je n'ai pas mentionné. Je vais le faire avec une image, comme ça on se comprendra très vite. Ben Laden, je ne sais pas, il y a 20 ans, quand il était encore de ce monde, il avait dit un jour « Mais vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ce n'est pas la Suède que nous attaquons ?» D'accord ? Donc, il y a dans les variables qui spécifient l'attitude de la France et qu'on ne trouve pas en Allemagne, cet interventionnisme systématique en terre musulmane depuis toujours, en des termes, que ce soit au Mali où nous sommes partis combattre, je vais citer le président de la République, des gens de rien, des gens qui ne sont rien, pardon, ou bien sûr les termes de notre intervention en Syrie, on n'aura pas le temps de le dire, mais enfin tout d'un coup on s'est mis tous contre Daesh et plus personne contre Bachar, ou bien sûr notre collaboration intime avec les Émiratis et les Saoudiens sur les terres du Yémen, ou bien notre collaboration avec Haftar, dictateur potentiel porté par le régime Sisi, qui est notre meilleur ami, que nous ne critiquons jamais parce que la France ne doit pas donner des leçons de droits de l'homme. Elle en donne qu'à Erdogan, n'est-ce pas ? Bon, voilà, il y a cette variable. Et effectivement, si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne est moins directement en prise avec ce problème parce que, notamment, son histoire, son acceptation de la religion dans l'espace public, mais aussi sa politique étrangère, la différencie de ce qui se passe en France. Et puis, bon, bien sûr, je ne veux pas parler de vous, mais disons les Britanniques, le jour où ils se sont trouvés en face de la question « Est-ce qu'une dame avec un voile peut devenir une policière ?» Eh bien, ils ont dit « Oui ». Nous sommes partis en courant. Lorsque les Australiens se sont dit « Comment soigner le tissu de notre nation qui est déchiré par des tensions avec les Libs ?» Vous savez, les Libs, c'est l'expression qu'on emploie pour dire Libanais, c'est-à-dire les musulmans, les méchants musulmans, etc. Qu'ont fait les Australiens en 2005 ? Ils ont dit « Il faut attirer des jeunes femmes au cœur symbolique de la nation qui sont les Lifesavers ». Alors, comment faire ? Ces femmes ne veulent pas se mettre en maillot de bain. Eh bien, on va inventer le burkini. Donc, on a attiré des femmes dans le cœur symbolique en acceptant leurs spécificités culturelles et religieuses. Vous avez fait de même avec la gendarmerie montée. Nous, nous sommes aux antipodes de cette attitude. Une femme qui porte le voile, elle est de plus en plus en plus en plus exclue de l'espace public. Chaque jour, il y a une nouvelle dérive dans ce sens. Donc, voilà, je le crains, la spécificité, et je n'en suis pas fier de mon beau pays. Alors, le passé colonial peut... il est difficile de revenir là-dessus, le racisme peut être combattu. La laïcité, en revanche, semble être une dimension constitutive assez forte de la République française. Est-ce que ce que vous dites, d'une certaine manière, c'est qu'il faudrait renoncer à la laïcité pour accueillir ou pour régler le problème que peut poser l'islam politique ou pas ? Jamais, jamais, jamais. Rien dans les attentes légitimes de 99% des musulmans français ne porte atteinte à la laïcité. Non, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne coûterait pas trop cher ? J'ai dit une fois à des sénateurs, je ne vous demande pas de repeindre toutes les banlieues en rose, mais regardez, par exemple, cesser ce mode de... ce qu'il faut rectifier, c'est les mécanismes de la représentation politique des musulmans dans le tissu français. Nous ne sommes pas sortis de la logique coloniale qui consiste à interférer avec les mécanismes de représentation des musulmans pour fabriquer des élites dociles. D'accord ? Ça s'appelait les haras, les bachagas de l'administration coloniale. Mais aujourd'hui, nous continuons à un rythme qui est absolument terrifiant. Si vous êtes abonné aux télévisions françaises, vous verrez cette espèce, ce monsieur qui est un imam de la mosquée de Drancy, qui ne parvient pas à aligner trois phrases de suite et que l'on brandit en prétendant le faire apparaître comme un représentant des musulmans de France. Ce qui est absolument... ouvrez les guillemets, ignoble. C'est une façon de mépriser, de stigmatiser, d'humilier. Eh bien, ça, c'est au cœur du fonctionnement français, hérité de la colonisation. Nous fabriquons de fausses élites musulmanes. Juste un exemple, Malek ibn Nabi, on l'appelle maintenant un penseur islamiste, mais en 1958, il était publié par Le Seuil en France. Il était considéré comme tout à fait fréquentable. Et pour stigmatiser les tripotages de la représentation politique des Algériens de confession musulmane en Algérie, il avait dit « Oh, la méthode française, on la connaît, c'est ôte ta conscience de là que j'y mette la mienne ».
Eh bien, ce mécanisme, ôte ta conscience de là que j'y mette la mienne, il fonctionne jour après jour sur les médias mainstream de la République française. Ça, c'est un cancer. Ça, c'est un cancer. Ça, on pourrait le changer. Mais la laïcité, jamais, au grand jamais. Rien ne doit être modifié. Rien, absolument rien n'est incompatible avec l'existence de musulmans qui auraient le droit de s'exprimer sur un registre oppositionnel. Oppositionnel et légaliste, bien sûr. Alors justement, un autre terme qui suscite la polémique et que nous avons découvert de notre côté de l'Atlantique dans les dernières semaines dans la bouche des politiciens français, c'est celui de séparatisme. Alors vous savez probablement qu'au Québec, le mot séparatisme est porteur d'une toute autre connotation. C'est le terme qui a été utilisé par les dirigeants, surtout fédéralistes, pour dénoncer le mouvement indépendantiste et souverainiste à partir des années 50. Et on voit apparaître ce terme en France dans la bouche du président Emmanuel Macron, où il revêt une toute autre définition. Pouvez-vous nous l'expliquer et nous donner un peu le contexte de cet usage du terme séparatisme en France ? Alors, Macron a fait faire à ce terme un virage aussi significatif que celui que vous percevez, hein, parce que pour nous, le séparatisme, c'était les Corses ou les Bretons, hein, d'accord ? C'était les cultures régionales. Moi, je m'exprime souvent sur le mode un petit peu provocateur et j'ai dit le séparatisme, et on va donc se faisant répondre à votre question, le séparatisme que craint Macron, ce n'est pas le séparatisme des musulmans, c'est le séparatisme que ses électeurs pourraient, dont ses électeurs pourraient faire preuve à son égard. Nous sommes dans un contexte électoral, nous sommes dans un contexte où le président Macron, qui a été élu par la gauche ou par le centre-gauche, pardon, a réalisé qu'il ne pouvait pas être réélu sans l'apport de la droite, voire de l'extrême droite, d'accord ? Et ce processus s'accentue à mesure qu'il essaye de convaincre des voix de droite, il se sépare des voix de gauche. Donc, je ne connais pas l'intime du président Macron, il n'est pas du tout imaginable qu'il manie cette rhétorique avec beaucoup de distance, avec un grand cynisme. Mais disons, Macron essaye de dépasser sur son terrain, de démonétiser, de priver Marine Le Pen de son monopole dans ce domaine. Alors, pour la petite histoire, vous savez sans doute, faut-il en tout cas le préciser, que ce terme a été abandonné. Il a été jugé trop encombrant. Et donc, on revient maintenant aux mesures qui vont remplacer la laïcité. Malheureusement, je ne sais pas si on aura le temps de le dire, mais disons, l'analyse de Macron du problème a identifié une raison centrale, mais crédible, et puis il en a fabriqué une autre totalement, à mon sens, totalement idéologique. Arrêtez-moi, si nous n'avons plus de temps, je dirais la vraie raison que Macron a identifiée, c'est qu'il a prononcé, il ne faut pas l'oublier, il a prononcé des phrases courageuses qui lui sont fortement reprochées par la droite et l'extrême droite, d'accord ? Quand ce n'est pas par la gauche d'ailleurs. Et il a dit ce séparatisme à bien des égards, c'est nous qui l'avons créé, premièrement. Nous avons concentré dans les mêmes quartiers les mêmes difficultés sociales, etc., etc. Troisièmement, la République n'a pas tenu ses promesses pour tout un certain nombre de gens. Là, magnifique. S'il s'en était tenu à cela, il aurait accouché de réponses. Macron, c'est quand même le monsieur, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme rapport Borloo, monsieur Borloo, un ancien homme politique, avait accouché d'un rapport de plusieurs milliards d'euros pour réhabiliter le tissu économique des banlieues. Et Macron l'a rejeté avec mépris en disant « c'est pas un mâle blanc de plus de 50 ans qui peut traiter les problèmes des musulmans, c'était stupide ». S'il était resté à ce compartiment de son analyse qui arrive à la fin de son discours, qui est dit de façon fugitive, nous étions sur la bonne voie. Mais non, il a mobilisé une autre dimension qui est la crise de l'islam. L'islam est en crise. Qu'est-ce que ça veut dire l'islam est en crise ? Ça veut dire, et ça c'est au cœur du dysfonctionnement analytique de nos élites politiques, c'est le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est l'autre. C'est exclusivement l'autre. Il est en crise, et d'ailleurs il est en crise dans le monde entier. Et ça, c'est une pacotille analytique, ça remonte à la maladie de l'islam, ce sont des thèmes qui sont développés depuis toujours, il faudrait couper quelques sourates et puis ça irait mieux. Ça, c'est une catastrophe. Et troisièmement, Macron n'a pas... Et ce que nous avons développé au début, il n'a pas du tout abordé la matrice politique de la radicalisation. Il n'a pas abordé d'abord l'écho des politiques étrangères sur le tissu des Français musulmans, quand vous voyez... vos amis en Égypte se faire torturer à mort et que vous savez que votre gouvernement soutient celui qui torture à mort, ça crée une tension, d'accord ? Cette tension-là, vous pouvez la reporter en Syrie, en Algérie, partout où le gouvernement français, depuis des décennies, soutient tous les dictateurs arabes comme on le reprochait à Jacques Chirac qui répondait « Mais mon jeune ami, plus personne veut le faire, il faut bien que quelqu'un s'en charge. » Donc voilà, Macron n'est pas complètement à l'aveugle,
ce séparatisme, c'est nous qui l'avons créé. Mais au moment de passer à l'action, de définir ces politiques, il s'en tient seulement à une lecture essentialiste, culturaliste. L'islam est en crise. Alors, c'est très marrant. Pour Hollande, on ne pouvait pas faire former les imams en France. C'était dangereux. Il fallait les envoyer au Maroc, ce modèle de la démocratie laïque. Alors, nous, non, on va les rapatrier. On émet une suspicion systématique à l'égard des musulmans qui ne sont pas français, qui est ridicule, qui n'est pas justifié. Donc, on voit bien une extrême fragilité du logiciel d'analyse du phénomène de la crispation des musulmans parce que, bon, ben, il n'est pas documenté. Il est idéologisé. C'est pour ça que je suis relativement pessimiste actuellement parce que jour après jour, et évidemment, vous allez peut-être l'aborder, chaque fois que nous grimpons dans l'escalade de l'horreur, le dernier attentat, c'était à la hache et il n'a pas très bien réussi. L'avant-dernier et le dernier, il a réussi. Mais bon, moi, pour répondre à cet attentat, après avoir dit ma solidarité infinie et ma douleur infinie à l'égard des victimes, j'ai dit, moi, ma façon d'être efficace, c'est pas simplement de pleurer les victimes, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas de prochaine. C'est-à-dire, c'est pas seulement d'arrêter le poseur de bombes, c'est d'arrêter la machine à fabriquer des poseurs de bombes. Cette problématique, elle est plus ambitieuse et elle ne peut pas être abordée si nous nions la nécessité de regarder un peu la part de responsabilité qui appartient à l'environnement non musulman de ceux qui manient la violence. Et là, c'est une ligne rouge. Jour après jour, il y a une surenchère. Macron lui-même s'est fait traiter de collabo, de vendu. Alors, on a deux termes maintenant rhétoriques. Le syndrome de la victimisation, c'est si votre voisin dit « j'en ai marre de me faire marcher sur la figure », et si vous vous dites « ben, t'as quand même quelques raisons », vous, vous êtes dans la culture de l'excuse. Culture de l'excuse et victimisation, hein, c'est les deux mamelles du racisme, de la dérive raciste de la République française actuellement. Et c'est très inquiétant parce que ceux qui la manient, ils font 90% du mainstream médiatique. Et ceux qui disent le contraire, ils ont besoin de s'expatrier au Canada pour trouver une radio universitaire pour s'exprimer. Mais les radios, les micros de la République ne se tendent plus vraiment dans leur direction. Même dans cette radio universitaire au Canada, ce sera malheureusement le mot de la fin. François Burga, merci infiniment de nous avoir consacré un peu de temps pour parler de l'islam politique en France. Bonne chance pour la suite. Je remercie infiniment aussi l'équipe technique et les recherchistes et nos auditeurs, nos auditrices, le Cérium, l'agence France Presse et Savoir Média qui nous permettent quelques instants de faire un arrêt sur le monde. Au revoir et à bientôt.